would jump down to almost nothing, you see. And I still remember in my mind how things used to be. And, I feel like people from all over the world came here. All over the world. It was a playground, they called the playground of the world. Anyways, when I was very small, I even got lost at Coney Island, but they found me on the beach. And we used to sleep on the beach here, sleep overnight. They don't do it anymore. Things changed. They don't sleep anymore on the beach. Léonard, c'est tout. Et arrête avec cette machine. Pourquoi arrêter? Et Léonard, tu ne le trouveras pas. Je le trouverai. Je veux le trouver. Arrête, cette machine est stupide. Mais non, cette machine est une machine, c'est tout. Et Léonard, tu ne le trouveras pas. Tu ne le trouveras jamais. Pourquoi tu me dis ça? Arrête, cette machine est insupportable. Je te dis ça parce que je sais que tu ne le trouveras pas. Et moi, j'aime ma machine. Clic, clac, je sais tout. Je le trouverai, je veux le trouver. Tu ne sais même pas ce que tu cherches. Je cherche Léonard. Tu ne sais pas qui Léonard. Je cherche Léonard, c'est tout. Mais tu ne sais pas qui est Léonard, tu cherches après un nom, tu cherches après sans savoir. Bah un nom, ça sert à ça, indiquer une direction. Tu ne sais pas qui est Léonard, tu te gargarises avec lui. Tu es négative. Je ne suis pas négative, je suis réaliste. Tu es trop réaliste. Je ne peux pas être trop réaliste. Tu es déprimée, tu es négative, tu dors tout le temps. On ne peut pas être trop réaliste, la réalité c'est ce qui existe. Il n'y a pas que la réalité si on pense seulement à la réalité. Quoi, si on pense seulement à la réalité? Bah, si on pense seulement à la réalité, on dépérit. N'importe quoi, mais tu rêves! Je rêve pas, je cherche Léonard. Mais il était mauvais, il te voulait du mal! Pas du tout, il ne me voulait pas du mal. Il t'a fait du mal. Il peut changer. Il ne changera pas. Il peut changer. Il ne changera pas. Quand une pomme est pourrie, on la jette, sinon elle fait tout calot. Mais un homme n'est pas une pomme, il peut changer. Regarde un jeu, moi je viens d'apprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans Faut trouver la réponse. Les mille sont, faut trouver la réponse. Sans plus attendre, nous avons notre premier candidat qui est une candidate, c'est Chantal. Ouais. Bonjour Stéphane. Bonjour Chantal. Alors Chantal, vous avez 23 ans, vous vivez dans le Calvados et je lis sur ma fiche que vous êtes très bien zinzo. Oui, et d'ailleurs j'ai une anecdote à vous raconter. En fait, un jour les Parisiens se sont échappés. Ouais, mais on s'en fout. On en a rien à faire d'aller
s'écrit Chantal. Hein, donc on passe à la première question. Vous êtes prête? Pas spécialement. D'accord. Eh bien, n'hésitez pas à me dire quand vous l'êtes. C'est bon. Ok, let's go. Première question. Chantal, quel est le nom du sommet de la Cordillère des Andes? C'est la mer Noire. Non. C'est non. On poursuit. Combien de neurones y a-t-il dans le cerveau humain? Consonne. Ah, non. Oui. Non plus. Ah bon, bah, je vais demander l'appel à un ami. Ok, l'appel à un ami. Let's go, on appelle l'ami. Écoute, maman est près de toi. Faut lui dire, maman, c'est quelqu'un pour toi. C'est monsieur la dernière fois. Faut arrêter d'appeler maintenant, c'est pas vous que les candidats appellent. Dis-lui, je t'en prie, c'est important. Que je dise des réponses pour cette note. Raccroche-moi ce type. Bon, désolé Chantal pour ce petit problème. On passe à la troisième question. Chantal, par qui a été dessiné le drapeau argentin? Bugs Bunny. Non, c'est pas ça. En fait, il y a un truc que je me rends compte, c'est que depuis le début, quand tu réponds mal aux questions, t'es nul en fait. Clairement, t'es nul. Et lui là, tous, elle est nul. Avec le Chili. Le Chili, c'est le pays du tango. Non, ça, c'est l'Argentine. Le tango ou la samba? La samba, c'est le Brésil. La samba ou la salsa? Bouh! Oh, t'es nul! Pas croyable! C'est la fin de cette émission. Toi, Chantal, tu peux te casser. Ouais, je déconne, et reviens, ma poulette, déconnade! Ouais, reviens! Elle est partie, tant pis, hein. Nous, on se quitte avec le dicton de notre bon vieil oncle Picsou, le monde fait l'acteur. Au revoir! C'est beau, c'est beau. Quoi, je ne comprends pas. Le monde est un théâtre. Comment ça, un théâtre? Bah, on apprend en jouant. En jouant? Quel jeu? Et après?
s'est quitté. Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas, je ne sais plus. Je l'ai quitté parce qu'il ne mangeait pas de brocoli. Je l'ai quitté parce qu'il sentait mauvais des pieds. Je l'ai quitté parce qu'il portait des pulls en l'air. Je l'ai quitté parce que c'était un chien mouillé. Je l'ai quitté parce qu'il sentait le chien mouillé. Je l'ai quitté parce qu'il sentait Philippe Poutou. Je l'ai quitté parce qu'il était néerlandais. Je l'ai quitté parce qu'il mangeait de brocoli. Je l'ai quitté parce qu'il avait une trousse en poils d'alpaga. Je l'ai quitté parce qu'il avait des poils de nez d'alpaga. Je l'ai quitté parce qu'il était vert. Je l'ai quitté parce qu'il voulait que je m'habille en guerre des étoiles. Table. C'est tout mou. Aucune forme. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
table. 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 Aucune forme, c'est tout mou. Ça ne marche pas, ou... Je ne sais pas, il faut changer, triturer, truquer. Traduire. Oui, c'est clair, traduire. Tu prends chien. Chien, chien. Un chien. Tu vois tout de suite un chien. Che, che, che. Yin, yin, yin. Dog. Dog. Alors que dog. Mais dog. Dog, mais quel rapport? Mais rien de rien. Dog, dog, d'ailleurs, rien, c'est nothing. No, c'est pas chose. Chose, chose, c'est clair. Tu vois tout de suite la chose. Une chose. Chose. Quoi. Chose. Chose. Mais dog. Oh. Mais non, rien de rien. C'est vraiment... Je préfère même pas dire ça. D'ailleurs, think, think, think. D'abord, il faut... Faut me dire... Feu, feu, feu. Non, la langue, la langue. Feu, feu, feu. La langue. The tongue. The tongue. La langue. Tongue. Feu. Faut mettre la langue. Feu. Non, cette langue mélange tout. Je renonce. Non, il ne faut pas renoncer. Il faut juste mettre les choses et mots à leur place. Le français, l'anglais, chacun a sa place. Mais il faut être sérieux et rendre à César même les plus petits mots. Mais les plus petits? Pas les moins importants. Tu prends oui. Yes. Eh bien? Admettons. Yes. Oui. Admettons. On va s'appeler. Yes. Admettons. Mais oui! Oui, c'est... Oui, on ouvre la bouche. Oui, c'est vraiment... Oui, c'est clair. Oui. Oui. Le pire. Le pire. Le pire? Le pire, c'est God. God? God. Ah, moi, je trouve ça... Oh là là, je trouve ça dégoûtant. Je préfère ne pas dire ça. Dieu! Dieu, Dieu. C'est beau, c'est clair, c'est ouvert. Dieu! Mais God. Mais God. 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 C'est vraiment dégoûtant. Ouais. God. En God. Plus, à l'envers. C'est Doc. C'est un irrespect. Je trouve que c'est irrespectueux. Irrespect, irrespect, irrespect. Non, non, non. Je préfère ne pas dire ça. Dégoûtant. Dog. Dog, 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 dog. Ah, l'anglais, ça ne marche vraiment partout. Mais non, il y a des fois où, où l'anglais marche mieux. Ah bon? Par exemple? Par exemple, God save the Queen. God save, God save the Queen. God save the Queen. God save the Queen. Mais on n'en veut pas de celle-là, on n'en veut pas du tout. Et le foot? Le foot, le football. Moi j'ai toujours aimé le foot, j'ai toujours joué au foot. Et alors, quel rapport? C'est simple. S'il n'y avait pas eu le foot, je n'existerais pas. Comment ça, tu n'existerais pas? Football made me. I was made by football. Football was my school. Le foot a été mon école. My education. I love football. Without football, my life is nothing. I am nothing. I am, you are, he is. To be or not to be, to sleep, I dream, I talk in my sleep, I talk to you. I dream, I'm sleeping. I dream, I'm talking. Interprète la réalité. Mais parfois la réalité est mouvante, comme un rêve.
Les trottoirs glissent, les murs reculent, les ciels s'échappent, ils s'enfuient. Détruire les autres. Comme ça, je suis tranquille. Les belles campagnes, les belles vaches, le bon fromage. La France est le pays de 246 fromages. Vivez davantage. Mangez du fromage. Moi, j'aime le fromage. Mais certains disent, le fromage c'est trop grand. Le fromage contient trop de calories. Je ne sais pas quoi penser. Mais ces individus sont de mauvais français. Le fromage, c'est le patrimoine. Le fromage est un joyau de la culture française. Il faut manger du fromage. Mes enfants n'aiment pas le fromage. Que faire? Comment ça? Vos enfants n'aiment pas le fromage? Les hommes maléfiques. Un enfant normal aime le fromage. C'était seul. C'était difficile. Je n'ai pas su. Rien n'est perdu. Courage. Fromage. Moi, j'aime les vaches. Les vaches, ça me rend optimiste. Optimiste? Pourquoi? Profondément optimiste. Existentiellement optimiste. Oui, mais pourquoi? Écoute, il y a tellement de choses qui te dépassent, qui te débordent, qui sont impossibles à saisir, à attraper, à comprendre. Tellement de choses qui sont trop, tu vois, trop réelles. Infinies, infinies, infinies. Tellement de choses qui te submergent que tu ne pourras jamais, jamais. Alors une vache,
Tu vois une vache, c'est simple, c'est mince, c'est clair, c'est net, c'est transparent. Même quand c'est opaque, ouais, c'est transparent une vache. Avec ses cornes, ses oreilles, son museau, son poil, ça correspond. Comment ça, ça correspond? Ça correspond à l'idée. Comment ça, à l'idée? À l'idée que tu fais d'une vache. Tu dis vache, vache, vache. Et toi, tu vois une vache avec ses yeux, le regard, l'allure, ah l'allure, la langue, tout de suite tu sais que c'est une langue de vache. Et le pied rose, et le lait blanc, et les pattes. Tu connais, tu reconnais. Ça correspond, ça correspond. Est-ce qu'il y a des noms de vaches? Comment ça, des noms de vaches? Des noms? Bien sûr qu'il y a des noms de vaches. Par exemple? Amélie, Aurélie, Augustine. Non, 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 arrête, arrête, je te parle de noms de vaches. Bah, tu me demandes des noms de vaches, je te donne des noms de vaches. Tu me donnes pas des noms de vaches, tu me donnes des noms. Bah, tous les noms, absolument, tous les noms sont des noms de vaches. Bah, tu t'y passes. Oui, mais la langue des vaches. Quoi, la langue des vaches? La langue des vaches. Le parler ou la langue? Tu parles des vaches françaises? Je te parle sûrement pas des vaches anglaises. Les vaches anglaises, c'est bon pour les rosebifs. Les vaches sont internationales. Elles se comprennent partout. Elles parlent de toutes les langues. C'est la supériorité des vaches. Je pense pas qu'on puisse dire ça. Quoi ça? Qu'elles soient supérieures. Je te dis pas qu'elles sont supérieures. Je parle de leur supériorité. Je pense que le français est mieux adapté que l'anglais pour parler des vaches. C'est pour ça que les vaches françaises sont supérieures aux vaches anglaises. Mais quoi? Qu'est-ce qui les rend supérieures? Leur rapport à la langue française. C'est comme une bande-son originale. C'est quand même une des sous-titres. Je ne comprends pas ta comparaison. Qu'est-ce que tu comprends pas? Où est la bande-son originale des vaches? Fais un effort, même en fermant les yeux, tu peux l'entendre. Mais... quand même, t'es française. C'est comme Racine, tu dois le comprendre, c'est obligé. Mais je... Alors, votre grand-père, votre vieux papy, vous donnez des bonbons et ensuite, vous mettez la tête dans les cheveux. Oui. Vous voulez nous en parler? Oui. Oui. Mon grand-père me donnait des bonbons et ensuite il me mettait la tête dans les chiottes. Parce qu'il me donnait des bonbons et ensuite il me mettait la tête dans les chiottes. Quelle expérience, quelle expérience, c'est terrible, c'est fascinant. Je vois des monstres partout. Des monstres. Des chauves-souris. Des limaces. Des femmes qui ricanent. Des vieux très méchants. Des visages difformes. Des idées.
idiot, la langue pendante. On glousse. On parle de moi derrière mon dos. On se moque de moi. Je voudrais voler sur un balai. Je voudrais voler sur un balai. Quoi, il n'y a que les sorcières qui volent sur un balai? Je cherche Léonard, je deviens folle. J'ai mal partout. J'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, j'ai mal partout. Je ne sais pas quel jour on est, je ne sais pas ce que j'ai à faire. Je ne pense à rien, je ne pense qu'à lui, il est partout. Je traverse la route, je le croise. Je monte dans le métro, il en sort. Je rentre chez moi, il est assis à la table. Je me regarde dans le miroir et il me tire la langue. Ça a l'air de voir si vous en avez. Ça pourrait être la chine de la scie. Alors, tu resteras ignorante. Je m'en fiche.